Bonjour à vous moussaillons et bienvenue sur la chaîne de Starpy Productions. Je teste aujourd'hui pour vous The King of Fighters sur mobile et Android. Vous trouverez le lien dans la description. Comme toujours d'ailleurs. Je rappelle que ce jeu est gratuit. Alors, se connecter avec Google Play. Et c'est parti. Alors, choisir un type de paramètres graphiques. Mouvements sont normaux, permet d'économiser de la batterie, sont plus fluides. Allez, on va mettre élevé. Wi-Fi, 3 minutes, télécharger les données pour jouer une partie. Quand ce bug sera corrigé, ce sera fini. Mais il faut que tu te concentres jusqu'au bout. Ok. Synchronisation des données terminée. Kyo Kusanagi est à l'honneur aujourd'hui. Le statut de synchronisation semble correct. Vérifions quand même. Ne pas prendre de risque. Peux-tu essayer de bouger? Voilà, ok. Ok, donc on voit mon doigt qui se déplace. C'est super, donc il faut que j'aille là-bas. Ok, eux ils veulent que j'aille là-bas. Ok, j'avance. Donc c'est un... Oh non, j'ai oublié le nom de ce genre de jeu. Quand t'avances et que tu tapes les gens. Un beat'em all. Voilà. Tape dedans. En français, ça veut dire ça. Bah écoutez, moi je vous laisserai le soin de connaître cette histoire. Attention de ne pas tuer si j'attaque l'ennemi est trop fort, blablabla. Hein, je vous laisserai le soin à vous de lire parce que... Ah d'accord, il y a une garde. Bah parce que franchement, voilà, moi j'ai envie d'avancer un peu dans le jeu, découvrir ce qu'il nous propose. Ouh, ça c'était du combo ça, hein. Qu'est-ce que t'en penses toi? Fini de jouer, concentre-toi jusqu'à la fin. Ah non, je viens de commencer à jouer, tu veux pas me dire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas affronté un adversaire intéressant, ça valait le coup. Je m'appelle Rugal, je suis l'organisateur de ce tournoi. Je l'ai créé pour agrandir ma collection. Regarde derrière moi, je les ai tous battus. Et tu les rejoindras bientôt. Quelque chose ne va pas? Tu as perdu ta langue. Tu es prêt? Ne me déçois pas. Ok. Attends, lui, la protection. Top, 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 combo, boum, tiens, je t'enchaîne. Kaioken. Ah, Kamehameha. Ah merde, c'est pas le même jeu. Oh, bah t'étais pas très fort, hein. Tu es le meilleur que ce que je pensais. Mais tu n'as pas encore gagné. C'est bien mieux que moi, gros. Tu es là? Tu m'entends? Le statut du régal sur l'écran, j'ai incroyable. Concentre-toi. Ouais, trop dangereux, on annule la mission. Je répète, on annule la mission, je t'avais dit de faire attention. Bah, je lui ai éclaté sa tête. Je suis pas content. N'oublie pas. Le nom du tournoi est The King of Fighters. Vous n'avez pas compris encore, c'était à ça que je jouais, tu vois. N'empêche pas, un jeu gratuit, ça a quand même de la gueule. Hein. Ah, je dis gratuit, faut avoir une tablette ou un téléphone. Mais bon, 10% des gens ont une tablette ou un téléphone. Enfin, pas une tablette, mais un téléphone. Voilà, l'autre, la japonaise. Moins plus fort que ne pas être.
Hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu en commentaire pour ceux qui regardent. Parce qu'a priori, pas grand monde regarde encore mes tests de vidéos. De jeux vidéo, pardon. Allez, choisissez un pseudo. On va pas déroger à la règle, hein, Starpy66. Et yep. Alors, qui que je prends? Moi, je prends lui parce que je l'aime bien. Et puis voilà. Je commence. Très bien. Alors, j'ai Terry Bodyguard. D'ailleurs, excellent animé à l'époque, dans les années 90, King of Fighters. J'avais beaucoup apprécié. Voilà. Chargement court. Alors, beaucoup de temps de chargement pour le moment. Peu de jeu. Après 8 minutes de vidéo. Et oui, parce que je me suis tapé un téléchargement de mise à jour, forcément. Je commence souvent les jeux comme ça avec des mises à jour. Je tiens à prévenir les joueurs. Cette année, les règles du tournoi ont changé. Dans cette édition, des équipes de 3 vont s'affronter. C'est tout. Ok. Vas-y, envoie. Envoie-moi la sauce. Quelque part en ville. Où suis-je? J'ai l'impression que ma tête est vide. Qui sont ces gens qui m'encerclent? J'en ai presque fini avec toi. Tu as mal? Peu importe, ça ne fera aucune différence. Tu seras éliminé. Je me réveille et on me dit qu'on va m'éliminer, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aimerais au moins savoir ce qui se passe avant de... Tandis que je lutte pour rappeler quelque chose, j'entends un cri féminin. Oui, une belle mise en scène. Salut! Je t'ai enfin trouvé! Hé, hey, minable! Pourquoi vous attaquez cet innocent? Je la fais à la One Piece, parce que les voix off, enfin les voix françaises, c'est jamais terrible, quoi. T'sais. Elle essaie de sauter avec élégance, elle atterrit lamentablement. Bon, moi je m'en fous un peu, tu vois, je vais passer, tu vois, voilà, hop, hein. Juste parce que, voilà, je vous laisse l'opportunité à vous de regarder ça. Nous, on veut voir le jeu. Alors, contrôle, tac, 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 combattant, niveau. Ok. Go! Non, bah t'étais là. Genre. Voilà. Hein, ils font pas un pli pour l'instant. Bon, en même temps, s'ils avaient fait un pli tout de suite, je serais été un peu minable. Go! Ça me rappelle les Tortues Ninja. Allez, vas-y! Sur Super Nintendo, c'était sympa. Ah. Petit ralentissement, je pense de la capture. Ah, mais. D'accord, ça c'est les esquives au bas. Tu fais une esquive alors que t'es en face de lui, forcément, t'es plus en face de lui, quoi. T'sais. Alors. Qu'est-ce que c'est là? Ah, ok, il y a un temps de rechargement entre chaque coup. Ok. Warning. Ouh. Genre cricket, tu vas voir mon pote. Ok. Oh, ok, j'aurais dû le parer deux fois. Bon. Attends, déjà, je me débarrasse du petit. Ah, putain, si je foire mes attaques aussi. KO. Bah, tu vois, elle était pas très compliquée, mais je me suis bien fait éclater comme une nouille. Je suis une nouille. Voilà. Toucher pour passer à l'écran suivant. Premier pas, blablabla, Terry Bodyguard, ok, il y a des compétences à débloquer, il y a des objets, des items, des loops. Ouais, c'était quoi ce truc incroyable? Je vais passer la cinématique. Bah c'était mes poings et mes pieds, chérie, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Nous avons terminé le premier combat, ensemble le second combat. Bah ouais, mais je demande que ça. Es-tu prêt? Commencer, blablabla. Est-ce que je peux voilà, attends. Avant. Bah sinon, je suis obligé, avant d'aller dans les menus, je suis obligé de suivre le script du jeu. Alors, en même temps, c'est level 1, hein, à l'ancienne. Marcus, si un jour tu me regardes. C'est le mec. Allez,
Si tu peux te battre aussi, bien que tout à l'heure, pourquoi tu participes pas, blablabla, moi j'avance. Hé, hey, moi c'est Terry Bogard, t'as vu ma casquette? On va essayer de faire des trucs un peu impressionnants, là, voilà. C'est tout? T'avais que ça dans le ventre, les gars. Ah, oula. C'est tout? Ouais, c'était pas très des chauds lapins, là. C'était la fine équipe des bras cassés. La Warman. Ouh, je suis un boss. Faucheur. Ok, non, c'est pas des boss, c'est nouveaux personnages, j'ai même raison, pour ça. Ouais, je t'avais dans le dos là, j'avais une chance de t'avoir là. Ouh. Tiens, bah voilà. Hein, je suis concentré, hein, tu vois, je parle un peu moins quand je suis concentré, mais. Il y a un petit peu des difficultés pour le moment à se tourner droite, enfin tu vois j'ai un peu du mal quand ils sont dans mon dos, machin, enfin la prise en main est relativement simple je trouve, mais voilà, faut s'y faire quoi, ça c'est comme tous les jeux, allez on passe son passe, hein. Je vous laisserai à vous découvrir ce jeu, ce formidable jeu qui est King of Fighters, je vous le rappelle, disponible sur la tablette, le lien dans la description. Voilà, hop, bah on continue le script et puis on va avancer un peu, puis je vais arrêter après ce combat-là, quoi. Après cette... Si j'y arrive, c'est pas dit que j'y arrive. Suspense. Ouais, tu vois, il sait qu'on pouvait augmenter son niveau. Blablabla. Moi, Terry Bodyguard, va te casser, toi. Ready? Ah, j'ai les cartes équipiers spéciales, t'as vu? Sur le côté, là, je sais pas ce que c'est, mais... Tiens... Ouais, un peu... Je sais pas ce que c'est, cette carte. Je pense que c'est des choses à débloquer aussi, forcément. Qu'est-ce qui t'arrive? Viens avec ta balle de cricket, là. Voilà. Tu vois, c'est clairement ce que je disais. J'ai un peu du mal. Voilà, c'est du beat them all, mais... À la simple, tu vois, il y a que deux espaces en fait au bas quoi, tu vois, il n'y a pas vraiment... Mais c'est parfois compliqué de se mettre bien en face d'eux quoi. Allez, viens voir ton attaque. C'est tout? Je prendrai mon attaque. Tiens, j'étais dans le dos là, tu vois, regarde, là, et là tu l'enchaînes là. Bon, ils sont pas très très forts, mais moi non plus, hein, tu vois. Là, contre un vrai joueur, j'aurais dû me faire éclater 300 fois. Mais c'est pas ça. Donc finalement, si t'as un niveau pas très très doué, eh ben tu peux t'en sortir le temps de progresser. Et je pense que plus tu progresses, et plus tu progresses, hein, comme dans chaque jeu. Et puis bah moi, je vais vous laisser sur cette victoire. C'était King of Fighters. Et Starpy Productions. À bientôt les amis. Ce programme est présenté par Starpy Productions.